Parents vs enfants, le défi des goûters sains. Construire des liens, cultiver la santé, un guide familial inspirant, une aventure racontée par Ludibooks. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. L'alimentation saine chez les enfants est un défi qui touche presque toutes les familles. À l'ère où la malbouffe est omniprésente et souvent attrayante pour les plus jeunes, il est vital d'insuffler une conscience et une passion pour les choix nutritionnels équilibrés dès le plus jeune âge. Le guide Parents vs enfants, le défi des goûters sains, vise à être un compagnon dans cette quête exigeante mais enrichissante. Le contenu de ce guide va au-delà de la simple présentation des aliments à privilégier ou à éviter. Il s'adresse directement au cœur et aux esprits des parents et des enfants, cherchant à établir une connexion profonde avec les défis et les joies de la nourriture. De l'identification des problèmes aux solutions créatives, ce livre offre un parcours complet pour rendre l'expérience des goûters non seulement saine, mais aussi joyeuse et éducative. Ce voyage commence par comprendre ce qui motive les choix alimentaires des enfants, en explorant à la fois les plaisirs et les pièges du paysage alimentaire moderne. Il ne s'agit pas simplement de dire non aux aliments malsains, mais de découvrir comment dire oui à des alternatives délicieuses et nutritives qui résonnent avec les enfants. L'importance de l'engagement parental est également un thème central de ce guide. Les parents jouent un rôle crucial dans la formation des habitudes alimentaires de leurs enfants, et ce guide cherche à les équiper avec les outils, les connaissances et l'inspiration pour être des modèles positifs. Enfin, ce guide reconnaît que chaque famille est unique et qu'il n'y a pas de solution unique en matière de nutrition. Les conseils, les recettes et les stratégies présentées ici sont flexibles et adaptatifs, prêts à être personnalisés selon les besoins et les désirs de chaque famille. Rejoignez-nous dans cette aventure de découverte, d'exploration et de plaisir, où chaque repas devient une opportunité d'apprentissage, de croissance et de connexion. Le défi des goûters sains attend, et avec ce guide, vous êtes prêt à le relever. Les goûts et les aversions alimentaires ne sont pas simplement instinctifs. Ils se forment souvent à un jeune âge. Comprendre pourquoi les enfants peuvent être attirés par certains aliments et réticents face à d'autres est la première étape dans le défi des goûters sains. Les choix malsains ne sont pas toujours évidents. Parfois, des aliments qui semblent sains contiennent des quantités cachées de sucre, de sel ou de graisse malsaine. Cette section explore comment identifier ces pièges et comprendre leurs impacts sur la santé des enfants, tels que l'obésité, les carences en vitamines ou les problèmes dentaires. Les parents sont les chefs d'orchestre de la table familiale. Ils guident les choix alimentaires de leurs enfants, définissent des exemples et créent des routines. Cette partie souligne comment un engagement actif des parents peut former des habitudes saines qui dureront toute une vie. La théorie est renforcée par la pratique. Cette section présente des études de cas réels de famille qui ont relevé le défi des goûters sains. Leurs expériences, réussites et obstacles sont partagées pour offrir des perspectives pratiques et inspirer d'autres à emprunter ce chemin. Un bon plat commence avec de bons ingrédients. Le choix de produits frais, non transformés et nutritifs constitue la base de goûters sains. Préparer des goûters ne doit pas être une tâche solitaire. Inviter les enfants à participer à la préparation des aliments peut transformer la cuisine en une activité familiale amusante. La monotonie est l'ennemi de l'alimentation saine. Cette partie du chapitre fournit une collection de recettes et d'idées pour des goûters qui sont non seulement nutritifs, mais aussi délicieux et intéressants. L'aspect visuel de la nourriture joue un rôle crucial dans l'attrait qu'elle exerce sur les enfants. Cette section explore des techniques de présentation qui peuvent rendre les goûters sains plus attrayants. La planification est essentielle dans l'élaboration de goûters sains. Cette partie guide les lecteurs sur la manière de planifier les repas à l'avance. Les goûters ne sont pas réservés à la maison. Qu'il s'agisse de l'école, d'une sortie au parc ou d'un voyage, cette section propose des idées et des conseils pour emballer des goûters sains. Chaque enfant est unique et ses besoins alimentaires peuvent varier. Cette partie aborde les problématiques liées aux allergies alimentaires, aux régimes spécifiques
et aux préférences individuelles. Favoriser l'autonomie des enfants dans leurs choix alimentaires est une étape importante de leur développement. Cette section explore comment encourager les enfants à faire leurs propres choix sains. La communication est un pilier de la relation parent-enfant et elle trouve souvent sa place autour de la table. Enseigner aux enfants à respecter et à valoriser la nourriture est essentiel pour développer une relation saine avec celle-ci. Le soutien parental est crucial pour instaurer des habitudes alimentaires saines. Cette section met en avant comment les encouragements et la reconnaissance peuvent influencer positivement le comportement alimentaire des enfants. Les conflits autour des choix alimentaires peuvent survenir. Cette partie offre des solutions pour comprendre et résoudre ces problèmes, en promouvant l'empathie et la compréhension mutuelle. La quête pour fournir des goûters sains aux enfants est loin d'être une simple tâche culinaire. Elle s'étend au-delà de la sélection des ingrédients et de la préparation des aliments. Ce guide a dévoilé que le défi des goûters sains englobe la créativité, la planification, la connexion émotionnelle et la compréhension mutuelle entre parents et enfants. L'exploration des différentes facettes de ce sujet a révélé des opportunités pour enrichir la relation parent-enfant, favoriser l'autonomie et encourager une appréciation plus profonde de la nourriture. Les conseils pratiques, les stratégies innovantes et les méthodes flexibles présentées tout au long de ce guide offrent aux familles des moyens concrets d'intégrer les goûters sains dans leur quotidien. Il invite à voir les goûters comme une opportunité de croissance et de développement, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. En fin de compte, parents vs enfants, le défi des goûters sains n'est pas seulement un défi culinaire, mais une invitation à un voyage enrichissant où la nourriture est un pont entre les générations, un outil d'apprentissage et une source de bien-être pour tous. Parents vs enfants, le défi des goûters sains, construire des liens, cultiver la santé. Un guide familial inspirant. Une aventure racontée par Ludibooks. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes disponibles directement en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.